Bienvenue dans Découverte de Cannes. Que vous soyez un voyageur chevronné ou simplement en quête d'évasion, cette capsule est conçue pour vous transporter vers des lieux extraordinaires, des endroits empreints d'histoire et des recoins paradisiaques. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être transporté dans Découverte de Cannes. Aujourd'hui, direction dans la belle région du Tonkpi. La région du Tonkpi, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est un écrin de diversité culturelle, naturelle et historique qui invite les voyageurs à découvrir ces trésors insoupçonnés. Entourée par les régions du Kavali, du Guémon, du Bafing et du Haut-Sassandra, le Tonkpi offre une palette riche d'expériences captivantes. La ville de Mans, capitale régionale, se dresse au cœur du Tonkpi et est réputée pour son charme unique. Les collines ondoyantes et les vallées verdoyantes créent un paysage pittoresque qui entoure la ville. Mans est également célèbre pour ses montagnes emblématiques. Les Dents de Mans, qui offrent des panoramas à couper le souffle et attirent les amateurs de randonnée et d'escalade. La région du Tonkpi est imprégnée d'une riche histoire culturelle. Les populations locales perpétuent des traditions ancestrales à travers des danses, des festivals et des cérémonies qui témoignent de l'authenticité de leur héritage. Les marchés locaux regorgent de produits artisanaux, de tissus traditionnels et d'objets d'art, offrant aux visiteurs l'occasion d'explorer l'artisanat local. Les Dents ou Yakuba sont le groupe ethnique autochtone dominant du territoire et qui abrite également plusieurs populations ivoiriennes non autochtones, ainsi que des étrangers d'origine africaine, en particulier des Guinéens, des Maliens et des Burkinabés. Comme dans la plupart des régions du pays, l'économie locale est basée sur l'agriculture, avec une production végétale et animale relativement diversifiée. Une activité d'élevage y existe et concerne les bovins, les caprins et ovins, de même qu'une activité de pisciculture s'y est développée. La diversité naturelle du Tonkpi se révèle également à travers ses réserves naturelles et ses parcs. Les amoureux de la nature peuvent s'aventurer dans des espaces préservés, découvrir une faune variée et profiter de l'atmosphère apaisante des environnements naturels. La région présente de nombreuses attractions touristiques. On note les cascades naturelles, les ponts de lianes, les chaînes de montagnes, les singes de la forêt sacrée de Gbepleu, les grottes de Biankouma, la réserve du Mont Namba, le parc du Mont Sangwe, les danses traditionnelles dans. Et on a aussi les masques et les fêtes coutumières, telles que la fête des ignames chez les Toura, avec ses ponts de lianes, Zadepleu également à Mans, qui sont en attente d'être découverts par les touristes. Alors, que vous soyez passionné par l'aventure en plein air, la découverte culturelle ou la détente au cœur de la nature, le Tonkpi vous attend, prêt à dévoiler ses trésors aux voyageurs avides de découvertes. Laissez-vous séduire par cette région aux mille facettes où la nature, la culture et l'hospitalité s'entrelacent pour créer une expérience inoubliable. À très vite pour un autre numéro de Découverte de Cannes.